soyez toujours dans la joie. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes submergés par la joie du troisième dimanche de l'Avent, qui est comme une halte dans notre préparation à Noël, qui nous invite à goûter déjà à la joie que l'on se prépare à célébrer. Ce dimanche appelé dimanche rose ou dimanche de Gaudete, dimanche de la joie, tire son nom du premier mot de la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie. En dépit de toutes les situations de détresse et d'angoisse du monde qui peuvent vouloir nous ravir notre joie, nous devons nous exulter en tout temps. Car le Seigneur demeure le Dieu de notre joie qui essuie toutes larmes de nos yeux et nous introduit dans la réalisation de ses promesses qui renouvellent toutes choses. Nous allumons la troisième bougie de la couronne de l'Avent et elle est de couleur rose, c'est le symbole de la joie de l'Alliance. Avec David, l'Alliance est joie. Aujourd'hui encore, Dieu désire toujours notre bonheur. Nous sommes la nouvelle Israël. La raison fondamentale de notre joie, c'est celui que nous attendons, qui vient réaliser notre espérance. Lui dont Jean le Baptiste a rendu témoignage. Nous pouvons en revanche remarquer que ces joies viennent après des bouleversements. La première partie du texte d'Isaïe au chapitre 61 nous est familière. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est ce passage que Jésus reprendra pour s'auto-confirmer comme le Messie roi, annoncé par le prophète en Luc chapitre 4, les versets 18 et suivants. Et il conclura « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Luc chapitre 4, le verset 21. Alors que dimanche dernier, le cri du deuxième Isaïe invité à la consolation ravivait l'espérance, les textes d'aujourd'hui anticipent la joie dont exultera Jérusalem et la dimension inclusive de cette dernière qui ne laisse aucune couche vulnérable indifférente. Il s'agit d'une annonce ultime de l'avènement messianique qui identifie le Messie loin de Dieu comme celui qui panse les blessures, guérit les cœurs brisés, libère les prisonniers et annonce la libération de ceux qui étaient captifs après 7 ans de dur labeur. Une année sabbatique est proclamée. Dans ce contexte, le peuple est sous la domination des Perses. Cyrus a permis à tous de retourner chez eux, et voilà que les anciens exilés se rendent compte qu'on ne les attendait pas vraiment, et on leur a mis tous les bâtons possibles dans les roues pour les empêcher de reconstruire le temple. Il faut dire qu'en leur absence, d'autres populations également déplacées ont été installées à Jérusalem et y ont introduit leur propre religion, désormais par le biais des mariages mixtes entre des juifs et des étrangères. La religion juive est en minorité. Elle est loin la pureté de la pratique religieuse qu'on espérait restaurer. Il se repose des questions sur l'alliance avec Yahvé. L'annonce d'Isaïe nous apprend que le bonheur, le vrai, c'est-à-dire la justice, la consolation pour tous, va se lever sur Jérusalem. Alors la deuxième partie du texte s'éclaire. C'est donc Jérusalem, le peuple de Dieu qui parle. Jérusalem qui se réjouit déjà, comme si c'était réalisé. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Ce cri s'apparente tellement au Magnificat de Marie, qui en tient sûrement compte. Les prophètes usent souvent de ce genre d'anticipation pour montrer à quel point on peut être sûr des promesses de Dieu. Il faut se rendre à l'évidence qu'il existe dans nos vies, frères et sœurs, d'autres prisons, d'autres chaînes, moins matérielles, mais tout aussi oppressantes. Il nous est difficile de nous réjouir aujourd'hui quand on pense à toute la guerre meurtrière qui endeuille trop de pays tous les jours, la violence gratuite, l'insécurité, la persécution religieuse qui fleurit ici ou là, ou aux problèmes économiques et à la vie misérable de tant d'hommes et de femmes sur la planète. Saint Paul nous dit par contre que la joie est possible
et même recommandé, l'Evangelii Gaudium. Il s'agit de la joie profonde de l'assemblée croyante, joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu, joie de lire dans nos vies les signes de l'Esprit, joie d'une vie fraternelle, de la construction d'une solidarité universelle, d'une civilisation d'unité, de paix et d'amour. Il faut laisser naître en nous la joie du royaume. La joie de nous abandonner totalement, non pas sur nos propres forces, mais sur la fidélité de Dieu qui tient ses promesses. Car il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Oui, en celui qui est venu et qui reviendra, Dieu a fait luire sur le monde le soleil levant, le soleil de paix, de justice. Et c'est ce témoignage que Jean a rendu à celui-ci. Saint Jean insiste beaucoup sur l'humilité de Jean le Baptiste devant Jésus. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Israël attendait sans cesse la venue du Messie roi, car ce fut la source de la joie ultime de Jérusalem. Ils ont cru que ce fut Jean le Baptiste. En revanche, le quatrième évangile insiste, il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et Jean continue, l'évangéliste, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Jean chapitre 1, le verset 9. Donc, nous avons à faire nôtre le Magnificat de Marie, qui a accueilli en elle cette lumière, qui l'a rendue toute resplendissante. Et sous l'impulsion du feu de l'Esprit, elle reprend cette prière qui ramasse des expériences de Dieu séculaires, le Magnificat qui exprime la joie de la foi, l'émerveillement devant la fidélité de Dieu à ses promesses et à son alliance, l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu, la découverte de la prédilection de Dieu pour les pauvres et les petits. Frères et sœurs, écoutons encore Saint Paul nous parler. N'éteignez pas l'esprit. Comme on dirait, il ne faut pas éteindre un feu, une flamme qui éclaire la nuit. Ce qui signifie que l'esprit est une flamme qui brûle déjà en nous et dans le monde. Ouvrons-nous à la joie de l'esprit qui opère en nous toute sanctification pour que nous puissions être prêts, prêtes à partager la joie de la réalisation de cette attente qui nous invite à embrasser un monde renouvelé avec un cœur joyeux et généreux, car nous avons du prix aux yeux de Dieu et il nous aime. Amen.